Là, au grand moment, là. Hein. J'y croyais plus. Je me disais que paillette, c'est pas possible. Ah, c'est bien. Elle a pris. Ah non, c'est bien. C'est bien, mon toutou. C'est bien, mon toutou. Tiens, alors celle-là, arrêtez de chez. Arrêtez celle-là. Les bécasses sont véritablement coquines cette année et malines. Et là, on arrive au 15 janvier, on se fait arrêter une bécasse contre un mur comme ça. C'est quand même hallucinant. Elle a super bien tenu l'arrêt, plus que bien tenu d'ailleurs. Si je m'étais approché, j'aurais pu la voir. Mais j'avais peur en m'approchant trop de me retrouver dans une situation où j'aurais pas pu la tirer. C'est difficile à poser, mais enfin, elle n'est pas amaigrie. Elle est magnifique. C'est un arrêt fabuleux, un tir absolument superbe. Alors ici, on n'a pas de bague. Mais on a un carnet de prélèvement qui convient de remplir. Une année très particulière, mauvaise reproduction, donc on a un PMA à un oiseau par jour qui a été descendu au 3 ou 4 janvier à un oiseau par jour. Donc aujourd'hui la journée est terminée. C'est très bien que cette année les fédérations de chasseurs et notamment la Fédération du Gard aient eu le sens des responsabilités quoi et abaissé le PMA à un oiseau par jour et 15 par saison. Alors je sais pas si dans le Gard ils l'ont baissé à 15 par saison, je crois que non, il est resté à 30 par an. Mais c'est bien parce que ça démontre l'esprit de responsabilité, oui, l'esprit de responsabilité des chasseurs, et puis ça préserve quand même le cheptel, hein. Parce que si on veut conserver la chasse, il faut conserver la ressource, c'est-à-dire la bécasse, c'est important. Ouais, c'était un bel arrêt ça, c'était un super bel arrêt.